Nom du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne adoration dans le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bon Dieu bénis nous matin. N'a pas salué tout le monde qui a regardé nous sur Facebook, YouTube, que bon Dieu bénisse nous. Pour nous commencer le service nous matin, n'a pas chanté paroles que nous jouons dans 126 français, chant d'espérance qui dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sur ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de. Compte, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre des grands. Si tu perds dans le voyage, Blue.
j'aimerais toujours chanter les Jésus, montrer ma bouline dans que moi, lumière ça a toujours été les Jésus, montrer ma bouline dans que moi, lumière ça a toujours été les Jésus, montrer ma bouline dans que moi. Ça toujours les Jésus, montrez ma bonne dans que moi, lumière ça toujours. Amen. Maman dit pour nous ouvrir Bible, nous en sommes sans. Sommes sans. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Pour nous continuer le service, nous pas chanter doxologie. Yon matin comme ça, m'a chanté un cantique. Yon cantique d'amour pour Jésus. Chantons cantique, yon cantique d'amour pour Jésus. Yon matin comme ça, ma chantons cantique, yon cantique d'amour pour Jésus. Ça comme dit Alléluia, comme dit Alléluia. Comme dit Alléluia, Alléluia. Ça comme dit Alléluia, comme dit Alléluia, comme dit Alléluia. Chantons cantique, yon cantique d'amour pour Jésus. Yon moment comme ça, m'a chantons cantique, yon cantique d'amour pour Jésus. Ça comme dit Alléluia. Ça comme dit Alléluia. Comme dit Alléluia, Alléluia. Ça comme dit Alléluia. Ça comme dit Alléluia. Yon moment comme ça, m'a chanté un cantique, yon cantique d'amour pour Jésus. Ça comme dit Alléluia, ça comme dit Alléluia, comme dit Alléluia. Comme dit, Alléluia.
Alléluia. Les Jésus mourir sous calvaire, les Christ mourir, c'était pour moi. Moi, m'en est-ce que ma connaît? Combien moi doué? Combien moi doué? Combien moi doué? L'amour sans fin. Combien moi doué? Sauve-moi, non, j'ai ces manies, t'es passé pire agonie, c'est pour moi souffrance à tes comment vous me dites, combien moi doué, combien moi doué, l'amour s'en fait, combien moi doué. Connect.
ou c'est bon Dieu. Non, ou digne saint, m'adore, majesté, gardons mon Dieu, gardons son bon Dieu.
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu tout-puissant, l'immortel et invisible, l'ancien des jours, le grand pasteur des brebis, le propriétaire de toute la terre, de toute la créature, de toute la création, le Dieu des cieux. Les cieux racontent ta gloire, l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes venus ce matin en ta présence pour te louer, pour t'exalter, pour t'honorer. Car tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es redoutable par-dessus de tout. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. L'alpha et l'oméga. Tu mérites, Seigneur, d'être adoré, d'être exalté, d'être honoré. Parce que tu es bon pour nous en dépit de tout, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ce service de ce matin. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes l'opportunité d'être encore ici ce matin, mon Dieu. Malgré tout, on est encore vivant. Seigneur, il y a des gens qui auraient bien aimé être là ce matin. Ils ne peuvent pas y être parce qu'ils sont confinés chez eux. Il y en a d'autres, Seigneur, qui sont déjà passés de la vie à trépas. Nous sommes encore vivants, Seigneur. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos impudicités, pour notre culpabilité. Nous savons très bien que nous avons péché contre toi seul. Comme dit David, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Merci Seigneur d'avoir pardonné nos fautes cachées, d'avoir pardonné nos péchés, oui Seigneur. Merci infiniment. Malgré tout Seigneur, nous pouvons déclarer Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Tu es encore vivant, tu es encore réel. Que tu es éternel. Oui, Seigneur, nous avons parmi nous des gens qui sont attristés. Mais Seigneur, nous continuons à te faire confiance. Nous continuons à croire en ta puissance, en ta souveraineté. Parce que tu es notre Dieu. Tu es éternel. Seigneur, nous sommes parvenus à un moment très difficile où il y a une pandémie qui ronge, qui tue la population mondiale. Seigneur, les autorités disent nous allons compter les cadavres jusqu'en 2022. Mais Seigneur, nous savons très bien que tu auras pitié de nous. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les raisonnements des politiciens, les raisonnements des hommes scientifiques ne peuvent empêcher la matérialisation de la puissance de Dieu. Parce que tu dis dans ta parole, Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages,
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Seigneur, nous savons très bien, toi seul es éternel, toi seul es souverain. Oui, mon Dieu, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta sagesse. Si l'autorité, ceux qui nous dirigent, étaient sages, on aurait pu éviter autant de morts. Nos dirigeants avaient la prétention qu'ils sont autosuffisants en matière médicale, alors que nos hôpitaux ne sont pas équipés à faire face à cette situation. Quand les malades y sont arrivés, ce sont les techniciens médicaux qui décident ce qui doit vivre, ce qui doit mourir, parce que, Seigneur, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir faire face à cette pandémie. Mais nous savons très bien, tu as une réponse favorable. Tu as une réponse favorable. Nous attendons ton intervention. Nous attendons ta parole, mon Dieu, parce que tu es éternel. Si nous sommes affaiblis face à cette pandémie, mais toi, tu restes éternel. Tu restes notre Dieu. Tu restes le Dieu tout-puissant. Tu peux faire quelque chose et tu vas faire quelque chose. Nous savons très bien, tu auras pitié de nous, Seigneur. Ce matin, il y a des gens encore. Notre pasteur encore pleure. Le départ de ses proches. La sœur Monette est encore attristée par rapport à la mort de sa sœur. La sœur Dania, elle pleure encore le départ de son père. Il y a des gens aussi qui sont malades. Il y a le frère Philémon. Il y a la sœur Félicie. Il y a des gens qui sont confinés chez eux, qui ne peuvent pas sortir, mon Dieu. Pour combien de temps encore, Seigneur, nous sommes dans cette situation misérable, dans cette situation piteuse, mon Dieu. Pour combien de temps encore, mon Dieu? Seigneur, nous savons très bien, notre espoir, nous avons misé sur toi. Ce que nous avons chanté ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Nous avons de renouveler amour pour nous, renouveler bonté pour nous, renouveler miséricorde pour nous, Seigneur. Renouveler miséricorde pour tout ça qui a tristé matin, pour tout ça qui clouait l'hôpital, qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas respiré, docteur n'a pas fait rien. Mais toi, Seigneur, tu peux faire quelque chose parce que tu es le Tout-Puissant. Si les autorités qui nous dirigent ne peuvent garantir, mon Dieu, dans les jours à venir, que nous ne pouvons pas médicaments, mais ou même, nous sommes capables de garantir nous, nous sommes capables de jouer nous antidote, mon Dieu, pour nous éradiquer cette maladie qui a ravagé mon là. Ce n'est pas la première fois, mon Dieu, ça passe. Même si nous sommes capables d'infecter, mais le Saint-Esprit n'est pas capable d'infecter. Jésus t'est rencontré avec les lépreux. Lèpre n'a pas traité sur Jésus. Disciples pas bien les sous yo. Mais Jésus te dit, nous guéris. Matin, on capable de dire, nous guéris. Matin, on capable de dire, les membres de l'église Mont des Oliviers, côté l'hôpital, la caillou, ils ont guéri matin. Avec une foi agissante, nous capables de déclarer, ils ont guéri matin. Nous capables de dire, lever dans la cabane, quitter l'IA, camper, ils ont guéri matin. On capable de dire ça. Parce que ou dit, ou ordonné pour nous puissants. Ou ordonné, Seigneur, pour nous parler avec autorité, pour nous parler avec hardiesse. Parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit peut tout. Ce matin, Seigneur, là où tu nous écoutes, nous te demandons, lève-toi de ton lit.
déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église Mont des Oliviers déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi de ton lit, crie, je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu règne encore. Oui, Seigneur, n'appelons-nous dans le nom de Jésus, maintenant même, Seigneur, l'ange de la mort qui a passé dans chaque porte, parce que maladie, ça, c'est l'ange de la mort qui a simé de tout puissant, douleur, nous plonger dans l'amertume totale, mon Dieu, n'appelons-nous dans le nom de Jésus, c'est pour croiser l'ange de la mort, ça, n'importe nous, Seigneur, pour être campé devant la cabane, nous, pour être campé dans la chambre, nous, c'est pour le Saint-Esprit croiser, afin pour nous capables de moyer la grandeur de Dieu. Alléluia. Nous déclarons là où tu es. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois à la maison, lève-toi de ton lit et déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri de COVID-19 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'apôtre Paul nous déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, nous capables malades. Si vous n'avez pas pris une décision pour faire appel avec nous, COVID-19, pas qu'à porter nous aller. Si bon Dieu, pas de permission. Car Dieu avait déjà fait des provisions pour nous. Dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Lève-toi de ton lit, déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous regardes, déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, même Jean. Jésus t'a envoyé son ange pour la libération de Pierre dans la prison. Nous déclarons ce matin, bon Dieu a envoyé son ange pour venir croiser l'ange de la mort qui campait devant Porto, pour venir croiser l'ange de la mort qui campait devant Cabano, pour venir croiser l'ange de la mort qui campait dans la chambre d'hôpital là. Déclarer par la foi que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarer par la foi que tu es guéri. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour l'église Mont des Oliviers. Merci pour tous les groupes de cette assemblée. Merci pour le comité en dépit de tout, Seigneur. Yo campé. Parce que mission yo c'est pour arriver jusqu'au bout. En dépit de tout, Seigneur, pasteur, ils t'ont frappé, mais ils ont campé pour continuer ministère. Parce qu'on ne peut pas relever nous pour ne pas avoir de problème. On ne peut pas relever nous pour ne pas malade. On ne peut pas relever nous pour ne pas avoir de difficulté. Mais le jour où on a privé dans le ciel là, on va couronner nous parce que nous te faisons bon travail ici-bas. Alléluia. Seigneur, Napondo, fortifiez l'église Mont des Oliviers. Fortifiez l'autorité nous. Fortifier le monde, Seigneur, pendant la période, ça, Seigneur. Permet que nous entrer nos dimensions spirituelles avant. Permet que nous entrer nos dimensions de sanctification avant. Permet que nous plonger dans la sanctification. Permet que nous plonger de tout puissant dans l'étude de ta parole pour nous apprendre qu'on est, pour nous rapprocher de plus près de nous-mêmes. Parce que vous dites la parole où, plus près où c'est la vie, loin où c'est la mort. Alléluia. Maintenant, Seigneur, nous prions, agis pour nous. Agis pour nous. Ennemis en cas pensé, pandémie, ça sont défaites pour l'église Mont des Oliviers. Mais nous déclarons pas pour défaite dans le nom de Jésus. Ennemis en cas pensé, s'il prend un membre de l'église Mont des Oliviers, sont défaites. Lui pas défaite dans le nom de Jésus. Parce que bon Dieu nous a, qu'on ça l'a fait. Bon Dieu nous a, qu'on ça l'a réglé. Parce que pas de monde qui est capable de dire l'ordre. Pas de monde qui est autorisé, mon Dieu. Parce qu'il est Dieu éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prendre au campé pour nous, Seigneur. Que monde nous pas cité dans yo. Ou connaît kayo. Quel que soit monde qui gen monde mourir dans famille, l'église là. M'a prendre au visiter yo, consoler yo. Monde qui gen monde malade, consoler yo, visiter yo. Nous avons besoin des témoignages vivants ici à l'église
Mont des Oliviers. Et nous aurons des témoignages vivants ici à l'église Mont des Oliviers. Nous allons avoir une action de grâce extraordinaire ici à l'église Mont des Oliviers, parce que tu vas faire quelque chose comme jamais auparavant à l'égard des membres de l'église Mont des Oliviers, parce que tu es notre Dieu. Nous continuons à faire confiance. Nous continuons à faire confiance. Parce que parole nous dit, qu'en est-il de ma parole? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Son dia, la fête. Même si l'église aujourd'hui a tombé en déconfiture, mais on va venir chercher l'église. L'église où pourquoi enlever, on va venir chercher l'église où. C'est une période pour l'église à sanctifier. C'est une période pour l'église à réveil. C'est une période pour le Saint-Esprit en mouvance dans l'assemblée. Oui, Seigneur, malgré tout, malgré ça n'a fait, malgré conséquences ça n'a fait, malgré des tout-puissants, pandémie, malgré péché nous, malgré iniquité nous, tu reviendras à la recherche de ton église. Et un jour, nous, les chrétiens de l'église Mont des Oliviers, nous t'a dit, n'a dit, t'es bon. Pour nous faire sacrifice sur terre, ça. Il était bon pour nous chercher présence. Parce que nous allons quitter toute bagaille. Nous allons réjouir avec vous. Mais aussi longtemps que nous sommes sur terre, mon Dieu, nous avons besoin de ta présence. Si c'est la présence qui a épargné nous, si c'est la présence, mon Dieu, qui est capable de conserver nous dans le monde, ça. Aidez-nous, Seigneur. Fais grâce. Bénis chaque monde. Merci pour la jeune Ashley qui a dirigé et servi ça. Ma prendre autant prie, Seigneur. Pendant la période là, fais l'entrée dans l'intimité profonde avant. Fais-le de tout puissant en transformation. Fais-le garder l'esprit. Fais-le une autocritique autour de l'esprit. Fais-le une autocritique autour de cœur. Pour le garder nommé, pour le chercher relation, pour l'approfondir relation, pour l'approfondir relation là-bas, mon Dieu, pour l'entrer plus dans vous, pour être capable de sentir ils sont jeunes filles qui transformées lorsqu'elle est en faculté, lorsqu'elle est en collège là, il est capable de lumière qui brille, pour le monde qui dit qui est-ce demoiselle ça y est, qui est-ce demoiselle ça qui a parlé comme ça, qui est-ce demoiselle ça qui a la parole, onction ça dans la bouche, oui ça a fait, oui le possible, si nous la gagnons dans la main au Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin des jeunes qui campent. Nous avons besoin de l'église qui campent. Nous avons besoin des diacres qui campent. Nous avons besoin des serviteurs qui campent. Qui défendent la parole. Parce que nous sentons qu'on signal qui lancé. L'église nous doit préparer pour le grand jour. Seigneur, merci. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de te prier. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Nous remettons entre tes mains le prédicateur du jour. Va prendre autant prie, Seigneur. Retire tout ça qui va bon en lui. Embrasez-le par ton Saint-Esprit. Embrasez-le par ton onction. Retire l'homme dans lui. Mettez-le Saint-Esprit. Même s'il t'a découragé pendant la vie de prêcher. Mais cool, prends micro pour le prêcher. C'est pour un bagage prendre les pieds dans le pied, le river dans la tête. Pour l'embrasser par le Saint-Esprit. Et que moun kap tende nous, moun kap tende nous à travers les ondes, il a sorti édifié. Et moun kap tende nous qui est malade, il a guéri par la puissance de Dieu. Parce qu'on kafel, ou habitué fel, et on pourra le faire, et on fait déjà. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
Où c'est toute sa besoin matin, où
c'est tout simple. Nous bat gloire. Amen. Amen. Dieu bénit nous. Grâce, bon Dieu, avec nous. Et nous saluons tout le monde, toute l'église, ça cap suivre ensemble avec nous, qui est adoré avec nous à travers YouTube, Facebook. Donc nous saluons dans le nom de Jésus. Et mais annonce-nous pour cette semaine. Demain soir, nous avons un service, nous, comme à l'ordinaire, à travers téléphone. 7h pour 9h du soir. Et mardi, si bon Dieu veut, nous avons un service encore à travers téléphone. 7h pour 9h du soir. Jeudi, nous avons un service encore. 7h pour 9h. Et prière avec étude. Et samedi, nous avons un jeûne avec étude à partir de 9h du matin et pour arriver midi. Donc, à travers le téléphone, nous sommes capables de relayer dans le numéro ça. C'est 720-650-3030. 720-650-3030. Et puis, l'on finit, on va entrer PIN number. C'est 77-77-116. 77-77-116. Et puis, on va mettre, on va presser. Et sign number, et comme ça, on est capable de brancher ensemble avec nous pour participer dans tout service et que nous gagnons pendant toute semaine. Et nous avons plus de raisons pour nous capables de connecter dans la prière et dans la parole de Dieu. Dans la prière et dans la parole de Dieu. Et pas oublier aussi, donc, capable de payer 10 mots avec offrande à travers le téléphone ça, qui est branché et qui est sur l'écran. Nous avons un cash app aussi. Et nous connaissons malgré que l'église n'a pas réuni dans le local là, mais il faut bien payer. Donc il faut supporter l'église évangélique Mont des Oliviers avec dîmes, avec offrande. Et nous voulons faire tout membre l'église connaît. C'est un moment pour nous être connectés l'un avec l'autre, pour nous relier l'un l'autre, et pour nous assurer que nous sommes tous bien. Et si vous êtes en difficulté en tant que membre de l'église, donc reliez-nous personnellement dans 617. 721-89-48, en tant que pasteur, relez-nous pour qu'on fasse nous connaître quelle que soit la situation qu'on gagne, problème qu'on gagne, ou besoin d'assistance, nous. Eh bien, relez-nous dans 617-721-89-48, ou du moins, ou car relez aussi, et frère Claudie, dans 617-335-24-52. 617-335-24-52. Nous connaissons la maladie à fond pile ravage, surtout l'affecté. Et ça a une condition médicale, ou du moins qui est un petit peu âgé. Et en pile fois, nous connaissons force communauté haïtienne, c'est dans l'hôpital, dans le nursing home, qui travaille dans le champ médical. Là. Et en pile fois, et staff, ils sont capables même de porter le virus à la caillou, par les parents qui sont un peu âgés, et comme ça, affectés. Et en pile tout, parfois, et staff, ils travaillent différents chiffres, différents nursing homes. Parfois, ils sont dans le nursing home, ils sont l'autre. Si vous ne retirez pas de souliers, vous ne pas retirer les souliers, et puis changer avant d'entrer dans l'autre facilité, et bien comme ça, vous êtes capable de spread. Et le virus, ça fait grand pile. Nursing home qui est affecté, grand pile. Elder, la caillou qui est affecté, doté, et maladie, il n'y a pas de pitié même. Pour nous-mêmes qui âgés. Donc, c'est nous avons devoir, responsabilité et pour nous protéger Elden, pour nous protéger l'un l'autre. Donc, c'est toute annonce que nous gagnons et pour nous-mêmes matin, juste avant les messages, nous allons chanter tickets ensemble avec nous. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'aime pas là. Dans n'importe ça, moi, pas peur parce que nous faisons confiance. Vous voyez? Thank you.
ça t'a non? Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle. Dans n'importe à moi, ma paix faire confiance, et moi connais à moi. Bon Dieu, bon Dieu, ou fidèle, ou pas. Fidèle ou pas, j'en parle. Dans n'importe à moi, il m'a fait faire confiance. Et moi, quand on va agir. Mon Dieu, ou fidèle ou pas. Je sentis comme le corps de faux.
Dans YouTube, dans Facebook, cap adorer ensemble avec nous et bien comprendre qu'il a fait n'importe l'église, mais l'église c'est nous-mêmes. Où t'as dit Pierre, si c'était Pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, pas qu'à des victoires nous-mêmes, pas nous la victoire, parce que à Calvary, you give us victory is on our side. Nous remercions personne. Pas quitter son homme qui campait là ce matin. Parler, il a dit un bon mot pour chaque qui l'a matin. Un mot de consolation, un mot d'encouragement. C'est même seulement qui est capable de sécher l'eau dans les yeux. Fais-nous grâce, assistez-nous. Nous prions dans le nom petit de Jésus, qui a prié au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Good morning again, church. Morning. Good morning. Morning. God is good all the time. And all the time, God is great. God is great. Moi, salue l'église encore à tout le monde qui est branché dans YouTube, dans Facebook, qui a suivi le service de ce matin. David dit dans le psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans le psaume 30, il dit la colère de Dieu. Il dirait pour un petit moment. Mais grâce à mon Dieu, il dirait pour tout temps. T'en prie, ouvre bibou avec moi. Écoutez, nous pas joindre le message de la parole de Dieu. Dans le psaume 27. Please open your Bible with me in the book of Psalm 27. This is where we're going to be preaching this morning. The psalm 27. And I read for you. Psalm 27. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête
s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, à mon père et ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère à l'Éternel. Parole du Seigneur. If you are walking in a room in total darkness, you might want to be very careful because you might feel hesitated because you are afraid of walking on something that could hurt you. You might feel a little bit anxious parce que soit marcher dans chambre qui en fait noir ou pas ouais. Ou capable d'être un petit peu anxieux parce qu'on est capable de tomber ou pas qu'on compte pour aller. Mais ces mêmes gens la vie parfois en pile temps de darkness, ténèbres, uncertainty, avec frayeur qui est capable d'augmenter dans la vie nous. Côté nous pas connaît les moments de fait noir ça yo, nous pas connaît qui côté pour nous virer. What to do in the dark? Et si nous regardons à travers le monde aujourd'hui, nous n'avons pas besoin loin pour nous voir que le monde est dans un problème. The world is in big trouble. Uncertainty. Frayeur. Pas aucun monde qui t'a aimé vivre dans un state of fear, of frayeur. Nous tout à l'heure, jouons en solution to the root cause of the problem of fear, panic, chaos created by this pandemic that infected millions of people and killed 100,000 of people in less a few months. Non, époque ça. N'a cherché for some sort of security. N'a cherché some sort of comfort. N'a cru ça. Peut-être avant coronavirus t'es fait apparition. Nous t'avons cherché une sorte de sécurité dans le travail. Nous t'avons cherché une sorte de sécurité dans l'argent. Nous avons un bank account. Nous t'avons pensé relation, nous, famille, nous t'avons bon sens de sécurité. Nous te mettons confiance dans le gouvernement qui provide pour nous-mêmes. As we can see, pas gain aucune quantité de l'argent, succès, position, dans la vie d'un homme qui est capable de faire la paix, la sécurité que nous avons cherché. Et virus, ça, le geste, démontre-nous how the world is powerless. Côté le monde, pas de pouvoir vraiment. Le monde à genoux. À genoux. Quel que soit l'argent qu'on gagne, quel que soit l'éducation qu'on gagne, quel que soit la position qu'on gagne, eh bien, bagay sa yo, yo pa ka ba ou la paix et la sécurité. Comfort. Happiness. Que le monde a cherché tout le temps. Ce matin, ce message-là, c'est plutôt une question. How can we have victory over fear? Qui je nous capable de gagner victoire sous frayeur? Et réponse là,
à question importante ça, David Libanoul dans le psaume 27. Nous vivons nos moments de peur. Nous vivons nos moments de troubles. Nous vivons nos moments de uncertainty. We don't know what will happen in the next few hours or days or months. We just home hoping God will intervene and come up with a final solution for us. But in the face of fear, David in Psalm 27 answered how we can come, overcome fear, and to be victorious. From Sam, I'm attire attention matin. Dans pile prédicateur dans télévision, qu'a faut connaître la vie chrétienne, on va se poser des problèmes. They want to make you believe that the Christian should not have problems. Oh, un chrétien pas qu'un malade. Un chrétien pas qu'a des problèmes, l'argent, problème caille. They want you to believe that. Que la vie chrétienne, il pas supposé une souffrance, il pas supposé une tribulation. I just want to tell you that is not the case. Because it is not a question of if un chrétien peut faire face à la tribulation, mais c'est qui l'est pour faire face à la tribulation. Parce que moi-même avec vous, in our lifetime, nous tous bien pour nous faire face à des situations difficiles dans la vie. Jacques dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 2 à 4, Jacques t'a écrit à Juifs qui t'es scattered everywhere, qui t'a persécuté pour la cause de l'évangile. Il dit, regardez comme un sujet de joie, complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplie sans faillir, hein? En rien. Il dit, le chrétien doit se réjouir aussi dans les souffrances. Ce n'est pas les bagailles bon pour dire bon Dieu merci, pour bénir bon le nom de Dieu, mais chrétien, dans bon temps, dans mauvais temps, pour bailler bon Dieu gloire. Ça fait Salmis l'a dit dans le psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce que trouble, problème, lui produit endurance. Endurance produit paix, persévérance. Persévérance, c'est ça fait pour vous, lui aider à approfondir relation avec bon Dieu. Et puis, lui vient barou ça, ou vient billion caractère pour bon Dieu. As a servant of God, from Sam. There's a difference between reputation and character. Reputation is what people think of you. And it is based on your external projection. C'est ça moun pense de ou même, et li basé sur sa projeté. What they see, the way you behave when they are around you. The character is what you are. When no one is around you, nobody is watching you, you do not change. Regardless, someone is next to you, that next to you, even you still the same person. C'est ça que bon Dieu veut de vous-même. Pour un chrétien qui a caractère. À travers la Bible, from Sam, there were scores of people facing trouble in their life. C'est comme si dans un chrétien moderne n'a pas souffert. Qu'en est-il de Job? Qu'en est-il de Pierre? Qu'en est-il de Paul? Qu'en est-il de Matisse qui mourit pour la cause de l'évangile? Alors, nous-mêmes sommes le type de chrétien que nous sommes. They were faithful servants of God. But trouble come on their way. All of us, one way or another, will face trouble.
will face difficulties in the lifetime. Ça peut faire différence là entre chrétien avec monde qui pas chrétien, c'est qui je ou répondre à problème, qui je ou approcher problème. Est-ce que la problème est fini ou pas mettre confiance dans bon Dieu pour bon Dieu provide à your spiritual, your physical, your social and emotional need. Est-ce que la difficulté est venue, la problème est venue, est-ce qu'on peut le camper, quitter un pied, mon Dieu, mettre confiance dans mon Dieu? Frère Sam, God does not call us pour être capable d'être chrétien avec une foi qui est médiocre. Aux chrétiens, peu de foi. Or little faith. One way pour la foi capable affermir, one way pour foi capable grandir, c'est pour bon Dieu venir avec des difficultés, des problèmes dans la vie, côté foi capable grandir. Et David, dans le psaume 27, nous rencontrons un homme qui est dans un problème, qui est dans une difficulté. Peut-être li écrit Somme 27 pendant que Saül t'a cherché pour tout ou bien petit garçon Absalom t'a essayé bal coup d'état et même aller pour tout yel. Et bien aller pour l'écrire le Somme 27. Et dans le Somme 27 qui est 14 versets là-dedans. David dans premier 6 versets yo, li bon moi avec vous principes pour nous appliquer les problèmes, les filles devant nous pour nous capables de gagner victoire sous fille. Quatre principes in the first six verses. So when trouble comes on your way, all of us, as today with the coronavirus, nous tous pas de problème, nous tous pas de problème. Ah oui, tout pour notre masse, gardez la même bagabano. Bagabon à collade, dans moment de tristesse, dans moment de problème, pour tout à besoin de confort pour frère avec soeur, libaou, yon accolade. Libaou yon accolade pour conforter ou. We cannot do that. Because of this coronavirus. Rappelons nous-mêmes. Qui perdit des amis, qui perdit des coworkers, in my case, perdit toi. Et nous avons pile membres, des amis nous connaissons qui sont infectés, quelques membres de l'église qui sont infectés. Et il y a un premier principe que David Banou, dans le psaume 27, qui est pour nous gagner la victoire, sous la pérèse. Nous devons exprimer foi nous dans le problème. Nous devons exprimer, you have to express your faith. David, nous, what to do? Quand pile chrétien, le problème est venu, difficulté, it's too easy for them to quit. They went into panic, your worry, your restlessness, your anxious. Yo sans espoir, yo edgy. They have what we call a nerve meltdown. Yo depressed, yo moody, yo chimérique. Yo bouleversé, yo pas qu'à dormir, yo troublé. Yo même calé plus loin pour dire, mais côté bon Dieu m'a servi. They questioning God. This morning, God wants you to stop worrying. Qui passe par ses inquiétudes peut ajouter une coudée dans sa vie. Whatever the circumstances you find yourself, there is a way to enjoy peace in the middle of your trouble. There is a way to enjoy peace in the middle of your sickness. There is a way to enjoy peace in the middle of a death in your family. There is a way to enjoy peace when you lose your job. David expressed his faith loudly
during his fear of trouble. Dans verset premier, il dit, ça le dit, il exprime foi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui ai-je crainte? David exprime foi. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui ai-je crainte? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Et puis, il continue pour dire, the Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ça le dit. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David, dans mes temps fuyo, il exprimait foi dans bon? Dans bon Dieu. Il exprimait foi dans bon Dieu. That's the first. The first principle. David is telling us what he knows. David a dit nous expérience qu'elle gagne avec bon Dieu. Femme sème, gagne relation avec bon Dieu. Gagne expérience avec bon Dieu. Les problèmes sont venus. Bon Dieu, bon confort. Bon Dieu, bon peace. Parce qu'on connaît celui-même qui incarne you. When fear is knocking on your door, David connaît ce qui monique, il compte. Les filles sont venues. Ou pas raconter son gouvernement. Ou pas raconter son paycheck. Comptez sur Jésus. Comptez sur bon, sous bon Dieu. Il y a so many people that give them a pink slip. Ils n'ont pas un travail pour vous encore. Allah. Allah Kayou. Comptez sur bon, sous bon Dieu. Dans la situation qu'on a vécu qu'on y a là, c'est le bon Dieu qui a fait pour nous. C'est le bon Dieu seulement qui est capable de faire un bagage pour nous-mêmes. Ou capable de nous-mêmes comme chrétiens, nous ne pas paniquer. Nous allons dormir, nous manger. C'est pas vrai? Qu'est-ce que bon Dieu fait pour nous? Dans la tempête là, il y a des gdoni, affolés, il y a des gens qui n'ont pas dormi, il y a des gens qui sans espoir, il y a sans secours. Mais nous-mêmes, espoir nous sous bon. Parce que nous comptons sous bon. Sous bon Dieu. Dans Matthieu 4, 38, 40, disciples, tu es dans la mi-temps, il y a une tempête. Disciples, non, canote, et puis un gros vent qui soufflait, une tempête qui soufflait, alors que bon Dieu, Jésus-Christ a dormi. Et puis, disciples, allez, il a touché Jésus-Christ, il dit, mais, ou pas si la péri, ou pas qu'un pour nous. C'est ce qu'il dit. Come on. Il rebuke them. Peu de fois, il was remind them that he was with them. Parce que Christ n'a qu'un autre là. Le Christ n'a pas point, nous pas faire un rien là avec nous. Même si Christ pas là physiquement, mais Christ est ensemble avec moi, avec vous, 24 sur 24. Parce qu'il y a, il est avec nous. Et puis il fait nos promesses, il dit, là avec nous jusqu'à la fin des temps. Il dit, il ne peut jamais abandonner nous. Et puis, dans la trompette, dans la canette, il ne peut pas quitter, traverser le boucou tout. Là, il traverse avec vous. Nous ne pouvons pas contre nous dans le coronavirus. Mon Dieu avec nous. Dans ce temps-là. Vous songez, les trois jeunes Hébreux qui étaient en position pour mon Dieu. Qui s'est passé? Il te met confiance sur bon. En pile fois, bon Dieu pas fait prévention pour pas entrer dans la trompette là. Non? Il let you go through. Il quitte Genebre, descend dans la founèse là même. Et puis dans la founèse là, il prend yo. En pile fois, bon Dieu, il quitte ou entre dans la tempête là. Il quitte ou entre dans ce storm là. Il quitte ou entre dans le problème là. Et puis là, il prend où pour qu'on soit capable de témoigner. Quand on grosse, bon Dieu, m'a servi. Pour qu'on puisse comprendre qui grosse bon Dieu que nous gagnons, qui grosse bon Dieu que nous avons servi à frère. Parce que il c'est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Si on a un problème, David est capable de dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui ai-je crainte? Il dit, l'Éternel, c'est soutien de ma vie.
qui moun pour me père? Parce que bon Dieu, c'est même qui? Salvation. So, by expressing your faith in time of trouble, you take the first step toward healing and wholeness. Frère, c'est l'on exprime la foi. On fait premier pas qu'on y a côté. Ou à bon guérison spirituelle. Get trois broken Christian tap jemi parce que you pour heal. Quel petit problème, quel petit vent, et bien you allé, you détourné de la foi de Dieu. You need to express your faith. We need to live by faith, not by sight. Dans pile chrétien, je dis, being led by all sorts of superstition. Parce que vous avez là, la foi. Vous n'avez pas venu dans l'étude biblique pour étudier la parole de Dieu. Comment vous comprenez un chrétien? Un chrétien qui est dans l'évangile, qui a attendu la parole de Dieu, qui a compris la parole de Dieu, qui a étudié la parole de Dieu. Pour aller dans la Bible, pour chercher un grain de cheveux pour bouillir pour quoi? What kind of Christian is that? Oh, nous jouons une solution pour le virus. Allons dans la Bible avec nos grains de cheveux. Et puis un pile chrétien, après l'autre, did you get your own hair? Moi, je ne pas oui. What kind of Christian is that? Pour qui ça? Des chrétiens vacillants. Ils ne connaissent pas qui est bon Dieu. Deuxième principe que David ban nous pour nous gagner victoire sur foi, non? C'est pour nous extend your faith. The second principle, you extend your faith. Now David moved from expressing his faith to extending his faith. Meaning, when you are in trouble, lors de nos difficultés ou nos problèmes, imaginez le problème dans qui 10 fois plus mal. Imagine the worst outcome you could have from the trouble you are experiencing. Ça fait dans verset 2 et 3, mais ça le dit. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Verset 3. Il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Même les bagailles t'avine pi mal, t'avine wos. Toujours quitter confiance sous bon Dieu. En pile fois, nous ne pas qu'être temps à parler. Quand il n'y a pas bon dans la vie, nous, il n'y a pas marché pour nous-mêmes. Au lieu pour nous raconter les bienfaits de Dieu, nous prenons trop. En pile chrétien, c'est they whining too much. Comptez les bienfaits de Dieu, frère. Mon Dieu, bon, des mains, il bon, des pieds, bien ça, malgré la condition qui est, il a dit, bon Dieu, merci. Alors que vous-même, c'est pour ta courir, pour ta fou, bon Dieu. Not only you have to express your faith, you need to extend your faith. Même la situation t'a vint 10 fois plus mal. Bon Dieu, I'll still be there for you. Et ou confident. Parce que bon Dieu, he is the God of the extreme. C'est lui-même qui commence la vie. C'est lui-même qui connaît fin la vie. He is the God of the extreme of my life. So therefore, I need to express my faith and extend my faith. Troisième principe. Pour avoir la victoire sur la terre. David Banoul, dans le psaume 27, c'est dans verset 4 et 5. Bamilbou. Il dit, je demande à l'Éternel une chose
je désire ardemment. Je voudrais habiter, qui côté, toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle. Dans qui joue? Au jour du malheur, bon Dieu a protégé, l'a caché sous l'abri de sa tête. Mais bon Dieu qui n'a pas servi. Tel principe, il faut capable expérimenter foi. N'a bon? Non, bon Dieu. David talking about experiencing his faith. Et vous pouvez dire, il dit, one thing I have desired from the Lord that I shall seek, that I might dwell in the house of the Lord all day, all my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in his temple. For in time of trouble, he shall hide me in the pavilion, in the secret places of his tabernacle. T'as pris. In the sanctuary where God is, la méditer, la contempler, la magnificence de Dieu. David, au lieu pour chiter à la caillou, quand il y a un problème, il n'y a pas vu l'église. Vous êtes dans le temple pour aller, pour nous venir. This is where the people of God come together pour nous chanter la gloire de Dieu. Eh bien, David te comprend ça. Il connaît the act of the covenant. C'est un petit temps qu'il dit. Eh bien, l'aller chercher la présence de Dieu. I'll do. The one thing I will do when trouble comes is to center his thought to bon Dieu. Pour chercher la présence de Dieu, pour méditer, pour contempler. Vous avez un problème fait pour moi avec vous? Il prend attention, il met sous bon Dieu. Vous voyez? Les bagages sont bons. Eh bien, nous ici, nous à gauche, nous à droite, nous à gauche, nous à droite. Les problèmes sont venus. Eh bien, tout le monde connaît, tout le frère chrétien, j'ai fixé sous mon Dieu. C'est ça. C'est David à la caille, bon Dieu, dans la tête là, pour contempler la présence de Dieu. David, pas de paix et demi. Il pas de paix, problème yo. One thing pour pas jamais essayer de faire. Les problèmes yo vini. Pas quitter problème yo, entrer entre vous-même avec bon Dieu. Sous quitter problème là, entrer entre vous-même avec bon Dieu. Problème là qui ça le fait, les shift you away from God. Mais sous refuser pour quitter problème yo, entrer entre vous-même avec bon Dieu. Quand il y a problème, ça, il will stay on the outside. And the problem will be a force to push you to be closer to God. Ça fait, dans Romains 8, 31, il dit, pas de rien qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Le problème est venu, pas de rien qui est séparer nous. Au contraire, nous venons marrer plus avec bon Dieu. C'est ça. Attitude de vrai chrétien. Mais une difficulté comme, on ne pas quitter le problème, yo, écarte de bon Dieu. Mais le problème, il faut marrer plus avec bon Dieu. Quatrième principe, David Banou, you need to enjoy your faith. Il faut jouir la foi. Regarde dans verset 6 pour vous. Il dit, et déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. C'est le quatrième principe. I will offer sacrifice of joy in his tabernacle. I will sing, yes, I will sing praise. La baye bon Dieu gloire, la adore bon Dieu, la louer le nom de Dieu. Frère, adoration is not just worship. La adore bon Dieu, ou entrer dans l'adoration, dans l'orange, son âme spirituelle qui est dans mon. Son âme offensive qui est entrée, qu'elle
attaquer l'ennemi, côté la gloire de Dieu descende, bon Dieu descende, et puis bon Dieu délivre. Ça fait qu'il y a délivrance, qu'il y a guérison dans l'adoration. C'est ça qu'il fait. Bon Dieu fait pour nous. So the Bible said that when you face trouble and you worship, I mean that worship become a lifter for you. On entre l'église avec un découragement, puis on entre dans l'adoration, et puis même côté, tête ou levant l'air. En plus, il faut un problème tellement difficile, découragement, et puis l'on entre avec tête ou down. Parce que chaque jour, hein, en pile. Et puis l'on entre dans l'adoration, pour la gloire de Dieu, pour le Saint-Esprit à manifester. Pour le bon Dieu, il lift you up. Vous savez ce que je fais? Worship, il fait que bon Dieu vienne gros dans le cœur. Quel que soit la difficulté, problème, il faut adorer bon Dieu dans le problème, il faut bon Dieu grand, bon Dieu sentir grand dans nous-mêmes, parce que bon Dieu apprend adoration malgré la difficulté. Pour qui ça? Parce qu'on vient comprendre, on vient un sens d'appréciation pour comprendre la grandeur de Dieu, pour comprendre qui bon Dieu va servir malgré les difficultés, malgré les problèmes, et puis vous mettre tout le bagage changé qu'on y a là. Parce que je n'ai pas fixé ce problème là, non? Je n'ai pas fixé sur bon Dieu. So when you measure your problem against order, vous êtes déprimé. Mes yeux pour la musique, bon, regardez comment méchant il a bien mené, il a fait décision. Regardez moi-même, quand ça est bon Dieu, et puis regardez ça privé, ou qu'à déprimer. Mais l'autre prend problème, à mesurer avec bon Dieu, ou est-ce que vous avez pas un? Pas un rien. Vous avez besoin de la greatness of God, de la magnificence of God. Et puis, regardez nous, dit, qu'est-ce que vous avez un espoir ça? Espoir nous, c'est dans bon? Dans bon Dieu. Et puis dans verset 7 là, dans somme là, parce que premier 6 verset, David ben nous 4 principes pour nous gagner la victoire sur la terre. Et puis dans verset 7, pour y aller dans 12, David a prié. Son prière, David a fait là qu'on y a là. Non, il y a ça, pas tout prier. La prière qu'on y a là. Il dit, this is when David start to pray. Et nous capable comprendre how to pray when trouble come. Il dit, hear, O Lord. Attendez ça, il dit. Éternel, la prière qu'on y a. Écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Exauce-moi. David a prié. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, O Éternel. Ne me cache point ta face. David a prié. Il dit, ne me repousse pas avec colère, ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Verset 10. Il dit, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Car nous prions. David a prié. A prié. Amid David trouble. Et bien, il allait là, dans la présence bon, dans la présence de Dieu. Il dit, hear, O Lord, when I cry, have mercy upon me. True prayer in time of trouble is really a response to God calling to us. He calls us to see his face. Bon Dieu, relève avec vous pour chercher la face de Dieu. Côté, il faut qu'il soit capable de concentrer sur bon Dieu. Il dit, your face, Lord, I will seek. Il dit, face, c'est le même chercher. Amid your trouble, God is calling you to seek his face. Bon Dieu, après l'eau, pour chercher la face de Dieu, pour chercher la présence de Dieu. Et ça, David te fait. Vraie prière, frère Sam, rely on God provision pour vous-même. David dit, pas cacher face.
Il dit, même les mamans avec papa abandonnent parce que bon Dieu fait provision pour moi avec vous-même. Il faut nous quitter, nous dépendre de bon Dieu. Il dit, pas caché façon. Il dit, même les mamans, papa abandonnent. Mais bon Dieu a toujours pris soin. David vient réaliser que la ville ne dépend pas de lui-même. La ville dépend de bon Dieu. Vraie prière, dans verset 11, reside to God, will. Quelle volonté bon Dieu fait? Pas qu'à bon Dieu l'ordre. Vous voyez? S'il n'a volonté bon, c'est la volonté bon Dieu. Aïe, people saying, come tonight, avec tout le chéo, miracle pas le fait. C'est vrai. S'il n'a volonté bon, mon Dieu. Et puis David dit, enseigne-moi. Teach me your way. Parce que David n'a pas essayé de sortir autant de problèmes. En plus, il faut essayer de chercher des solutions nous-mêmes. Nous n'avons pas de solution pour réponse. Fais bon Dieu confiance. C'est bon Dieu, plus grand mathématicien. Don't try to sort them out. Et puis, vraie prière, ou toujours été calme. Même le bon Dieu prend le temps. Parce que quand on demande bon Dieu bagaille, bon Dieu parle pour nous la même. Donc, même le bon Dieu prend le temps, ou toujours été dans le calme, jusqu'à ce que bon Dieu réponde pour prière où. Et puis David a conclu, dans son nom, avec une connaissance que bon Dieu c'est lui-même qui a le pouvoir pour soutenir moi-même avec vous. Et puis, il exhorte nous pour nous appliquer ça, l'appliquer en tant que mon cap servi bon Dieu. Verset 14 là, il dit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Tant de mon Dieu. Pas get crazy. Espère en l'Éternel. Et puis il dit, fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. God is not on your time schedule, friend. Pourquoi pas bon Dieu, l'autre pour dire, année ça, faut faire le Bible. We need to remain calm when God delaying to answer your prayer. Ou still rester sous mon Dieu. So clé confidence David te gagné pour capable overcome peur. T'avais semblé ces relations qu'on gagne avec bon Dieu. Frère, c'est une relation qu'on build avec bon Dieu ou qui dans l'autre dimension que monde pas comprendre, pas comprendre parce que il va comprendre comment que on tranquillité, on la paix d'esprit dans mitan situation ça. Parce que ou gagne une relation avec bon avec bon Dieu. Ou connaît qui vient de bon Dieu ou a servi. Ou a servi un gros bon Dieu. Un bon Dieu qui est plus gros que tout problème, que tout ennemi. Ou a servi un bon Dieu côté pour chercher la magnificence de Dieu. Ou a servi un bon Dieu qui parlait à vous-même, ou servi un bon Dieu qui est fidèle, ou servi un bon Dieu qui va jamais abandonner. Ou servi un bon Dieu qui plus close que vous-même avec parents, qui plus close avec vous-même que toute l'autre bagaille. Close than your parents. Qui bénit in the living of land. Et m'a dit ça, frère. Et David a écrit comme ça. Il n'a pas toute révélation que moi-même avec vous, nous avons aujourd'hui. Ah oui? David n'a pas 66 livres, ça, nous avons là. David n'a pas toute révélation de Jésus-Christ, toute révélation, ça, yo. Il n'a pas yo. D'efforts. Je veux que pour nous, moi-même, avec vous, ouais, bon Dieu, il has to be more compelling and more active. Les problèmes sont venus, exprimez foi. Les problèmes sont venus, extend your faith. Les problèmes sont venus, expérimentez foi and enjoy your faith. Le prier in time of trouble, restez sous compte bon Dieu. Resign to his will, sous volonté bon Dieu. Restez calme. Jusqu'à ce que bon Dieu vienne secourir. Tout
principe ça yo. They are available to you. Tout principe que David établit ça yo, yo disponible pour même. Même j'ai été disponible pour David. Eh bien, je dis, yo disponible pour moi avec vous. Et frère, c'est on pas rien pour inquiéter vous. Même si gros vent souffle, l'orage gronde, non écrit dans pas même mon Dieu. Gros vent met soufflé, l'orage gronde, moi pape et bon, le pour rien, même si pied me glisse, tombe, ce que même moi, non même mon Dieu. Non m'écrit, non pas mes bon Dieu, personne pas à effacer. Non m'écrit, non pas mes bon Dieu, la veillée sous moi chaque jour. Au vent m'est soufflé, l'orage gronde, moi pas bon. Le pouvoir, même si bien blessé, pas qu'à tomber, parce que même moi, non mais bon Dieu, non m'écris, non pas mais bon Dieu, personne va à effacer, non m'écris, non pas mais bon. On écrit dans le plan, mon Dieu. La vie, frère Sabine, la vie, Achille, pas qu'à passer mal, parce que non, nous, écrit dans le plan, mon Dieu. Pas de rien pour me faire, même si tu es tremblé, pas de rien pour me faire, parce que non, écrit dans le plan, mon Dieu. Laissez-moi planté dans le jardin, bon Dieu, à grâce, ma pas avancée. Porte sa vie, pas inquiété, parce que mon âme moins bien caché. Non m'écrit, non pas mais bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non m'écrit, non pas mais bon.
la mer, la vie la mer, Seigneur, comptez la vie la mer, la vie la mer, comptez la vie la mer, la vie la mer, comptez la vie la mer, la vie la mer, comptez la vie mon des oliviers, la vie la mer, la vie l'église d'un amour, la vie, la vie. La vie m'a mieux, la vie chrétienne dans mes la vie ma mère, la vie ma mère, comptez, la vie ma mère, la vie, comptez, la vie ma mère, la vie ma mère, comptez, la vie ma mère, la vie ma mère, comptez, la vie ma mère, comptez, oui Seigneur. La vie nous dans la mer, je suis Dieu. Nous nous écrit dans le plan, mais on n'a pas gagné. Je n'ai pas effacé. Même si c'est Dieu qui nous a appris, il n'y a pas qu'à séparer nous de l'amour. Il n'y a pas qu'à retirer nous dans le plan. Parce que nous, il est gravé dans le plan, je suis Dieu. Et nous, c'est voyager sur cette terre. Et nous connaissons un jour, nous avons pris un exit là. Mais on ne peut pas quitter nous pour exister là pour que nous. On apprend avec nous, Seigneur Dieu. Parce que dis-nous, on va avec nous jusqu'à la fin des temps, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce. Assistez-nous, Seigneur Dieu. Soufflez un vent de guérison. Soufflez un vent de guérison, Seigneur Dieu. Dans la vie, ça y est qui est affligé. Dans la vie, ça y est qui est la caillou, Seigneur Dieu. Qui est affligé par cette pandémie. Qui est malade, Seigneur Dieu. Qui est problème respiratoire, Seigneur Dieu. Qui est problème la fièvre, Seigneur Dieu. Nous connaissons nous-mêmes qui est médicament dans ce ciel-là, dans la pharmacie. Puis gros pharmacien, puis gros vaccin. Eh bien, il y a dans ce ciel-là, délégué sans jour, connaît, Seigneur Dieu. Portez un vaccin, portez un médicament pour frère ou pour sœur ou pour souffrir actuellement. Délivrance pour vous, guérison pour vous. Dieu. Parce qu'on dit la prière des saints, il y a un pile d'efficacité chez Dieu. Nous comptons sur nous-mêmes. La vie nous va dépendre de nous-mêmes. La vie nous dépend de nous-mêmes. Amen. 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 Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous protège. Que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs, nos pensées, dès à présent et à jamais. Bonne journée dans le Seigneur. Que mon Dieu bénisse.